Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment ajouter ton compte du service scolaire sur ton appareil iPad pour pouvoir recevoir tes courriels et avoir accès à ton calendrier. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans les réglages ici. Puis, nous allons aller dans le menu de gauche et aller dans l'option Mail ici, dans le courrier. Et on va aller ajouter un compte. Donc, on appuie sur Compte. Puis, on sélectionne « Ajouter un compte ». Ensuite, ici, on va sélectionner « Microsoft Exchange ». C'est notre compte courriel Office qu'on va ajouter ici. On inscrit notre courriel du centre de service. Ensuite, on fait « Suivant ». On appuie sur « Connexion ». C'est bien un compte professionnel ou scolaire. Donc, on appuie. Puis, on doit entrer ici notre mot de passe. On appuie sur « Connexion ». Ici, on vous demande qu'est-ce que vous désirez voir sur votre appareil pour ce compte. Donc, par exemple, les courriels, les contacts, si vous avez enregistré des contacts, le calendrier. Je vais désactiver les rappels et les notes puisque je ne m'en sers pas. Et je fais « Enregistrer ». Donc, on voit ici que le compte a bien fonctionné. On va maintenant retourner ici et on va aller sélectionner le courrier ici. Donc, vous voyez maintenant ici à gauche que j'ai une boîte courriel du centre de service et que je peux voir les courriels que j'ai reçus. Si je vais voir maintenant dans le calendrier, et que j'appuie ici, je vais voir apparaître mon calendrier dans les calendriers disponibles. Donc, présentement, les événements de ce calendrier apparaissent en mauve. Je peux appuyer sur le « i » pour changer la couleur du calendrier ici. Par exemple, pour « vert », je fais « OK ». C'est aussi possible de désactiver l'affichage de ce calendrier pour ne plus voir les événements en appuyant ici sur le petit crochet et les événements vont disparaître. Si je réappuie, mes événements vont réapparaître. Donc voilà, c'était comment ajouter ton compte Office sur ton appareil iPad.